kecoh. Ong ni jumlah pekah mato ke jumlah ka ni di samaka. Kapi semeng ke ke jumlah ka samaka sedap tetikam saksi. Lok kong so kong so ban ku lang doy cha krom ni ong jumlah latabung. Mai ni ke ong jumlah. Do vitika chun te Merci, Monsieur le Président, et bonjour. Bonjour à la Chambre. Bonjour à toutes les parties. Bonjour au public et bonjour à vous, Monsieur le Témoin. Avant de commencer, Monsieur le Président, je voudrais simplement vous signaler déjà que nous demandons à la Chambre de faire preuve d'un certain nombre de, on va dire, de souplesse vis-à-vis du temps qui nous est alloué pour interroger Monsieur le Témoin, étant donné qu'il s'agit ici d'une situation un peu inhabituel où nous ne pouvons en position de n'interroger le témoin que pendant une demi-journée lorsque la défense appelle trois à deux fois plus de temps et comme cela vaut pour le bureau des coprocureurs et les parties civiles. Alors nous allons essayer de procéder de la façon la plus rapide possible, mais cela va dépendre aussi de la manière dont le témoin va nous répondre. Si nous répondons de manière claire et brève, nous essaierons de nous en tenir autant que nous avons alloué. Mais si, comme hier, le témoin parle dans certaines digressions et dans de nombreux détails qui n'ont pas été demandés, ce sera alors plus difficile pour nous de nous en tenir à une demi-journée à partager avec les participants. Alors, ce que je vous ai demandé d'ores et déjà, c'est un temps pour les coprocureurs qui seraient proches de 2 heures, sachant que de leur côté, les avocats des civils nous ont dit avoir besoin d'une heure. Donc ce que je voudrais, de toute façon, c'est que le temps d'une heure pour les parties civiles ne soit pas affecté par ma demande. Monsieur le témoin, comme je viens de le dire, je voudrais vous demander de faire un effort de concision, de concentration, pour répondre uniquement aux questions qui sont posées, pour éviter que je dois vous interrompre au milieu d'une réponse qui n'est évidemment pas très agréable. Alors, si j'ai besoin de précisions complémentaires par rapport à la première réponse que vous avez donnée, je vous les demanderai. Je vais baser mon question essentiellement sur votre livre Cambodge, année zéro, qui rassemble évidemment vos souvenirs de l'époque, au moment même où le régime du Cambodge démocratique était toujours en place. Alors, la référence est E243.1. Version qui a été éditée aux éditions Kailash, étant donné que le dossier, c'est la seule Kailash version qui bénéficie d'une traduction dans les trois langues. Alors, je ne sais pas si vous avez cette édition précise devant vous. C'est le cas, sinon j'ai une copie à votre disposition. Alors, ma première question, vous concernant la période entre mars 70 et avril 1975, que vous aviez entendu que l'Khmer Rouge dans les zones libérées était cruel, qu'ils avaient commis des méfaits dans les rizières, qu'ils évacuaient chaque fois les citadins et les villageois des zones conquises, tuant leurs chefs, brûlant les maisons, emmenant les gens dans la forêt. Quelles étaient vos sources d'informations concernant la situation dans ces zones libérées à l'époque?
Merci. Vous avez dit hier également qu'une fois à Phnom Penh, vous aviez travaillé avec une association de réfugiés. Est-ce que vous avez pu parler de la situation dans les zones libérées également avec les réfugiés qui venaient des provinces à Phnom Penh? Merci. 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 Sokjet n'y qui tout jet le jeune et n'y haï qui prap en pis à pieka sroxraï. Est-ce que ces réfugiés vous ont-ils dit s'ils fuyaient les combats en général ou bien si certains d'entre eux fuyaient le traitement qui leur était réservé par les Khmer Rouges? Mien tang pi, qui s'op sang kriem pour tuol tam so pia set Khmer, tuol dam rey, ngop sa maoit, qui mun kan tueng Khmer Khom, qui mun kan tueng le tapibal, qui treu qui clait sans crime. Et tant que c'est ce bail, mien pire chan, rotmao d'aïsa américain tumle à Kobaik. Dans votre livre, Monsieur le témoin, donc c'est la référence E243.1 à la page 12 en français, à la page 2 en anglais et en clair, à la page IRN 008 6 2 2 8 5, je répète, 008 6 2 2 8 5. Vous avez écrit ceci. Je cite, j'avais pourtant rencontré une femme d'Arek Sak sur la rive du Mekong opposée à Phnom Penh. À l'approche de Khmer Rouge, elle était montée sur un arbre
Et elle préférait de se faire dépasser sous son arbre. Vous avez dit également dans votre livre que vous n'étiez pas entièrement convaincu parce que certaines personnes disaient sur les crimes ou ce qui se passait en Zolibérie. Est-ce que, quelles étaient les raisons pour lesquelles vous n'aviez pas directement cru au récit qui était fait du traitement qui était réservé par les Khmer Rouges à la population en zone conquise? Je suis un peu plus jeune. Tout le monde a été fait pour la première fois. Merci. Justement, vous aviez donc des espoirs que les Khmer Rouges apporteraient la paix, ça s'agirait une fois qu'ils seraient au pouvoir. Il apparaît dans votre livre et d'après ce que vous avez écrit que vous avez déchanté. Est-ce qu'il y a un moment précis qui vous a fait comprendre qu'en réalité, vos espoirs n'étaient pas fondés et que les Khmer Rouges, dans la façon dont ils se conduisaient, ne changerait pas de pratique et ne s'assagirait pas. Nous sommes tous les deux.
Merci. Je voudrais revenir sur l'évacuation des villes et des villages libérés par les Khmer Rouges avant avril 1975. Vous avez dit hier et vous avez répété aujourd'hui qu'il y avait les exemples de Kampong Cham, de Bukao, de Kampong Tom. Et vous avez dit hier, juste avant la pause de midi, que les Khmer Rouges voulaient éliminer les villes et les classes sociales pour une société d'égalité, pour établir une société d'égalité. Alors je voudrais citer ce que vous avez dit précisément dans votre livre à ce propos. C'est toujours le livre E243.1 à la page 32 en français, page 21 en anglais et en khmer. Aux pages IRN 00 8 6 2 3 08 jusque 09. Donc je répète, 00 8 6 2 3 08 jusque 09. La déportation de Phnom Penh s'inscrivait dans la tradition révolutionnaire khmer depuis 1972. Monsieur le témoin, c'est donc la page 32 de votre livre. Depuis 1972, les maquisards emmenaient dans la forêt tous les habitants de tous les villages ou villes qu'ils avaient occupés. Souvent, ils brûlaient les maisons pour ôter aux villageois toute envie de retour en arrière. Cette évacuation généralisée massive relevait d'une conception nouvelle de la société. L'idée même de la ville devait disparaître. Il venait de plus loin, il fallait faire table rase, construire une société d'égalité rurale. Fin de citation. Devant les juges d'instruction, ce document s'appelait 3.7.0. À la page 4 en français, 4 en anglais, 17 en khmer. Vous avez dit la décision d'évacuation faisait partie d'une politique systématique. Les Khmer Rouges qui avaient déjà évacué toutes les villes, villages qu'ils avaient précédemment occupés. C'était le cas notamment de Kampong Cham en 1973. Nous pensions que cela ne serait pas réalisable à Phnom Penh, compte tenu du nombre d'habitants en 1975. C'est pourtant ce qui a été organisé. Fin de citation. Est-ce que vous aviez également, en plus de ces villes qui ont déjà été citées, entendu parler de l'évacuation de la ville d'Oudong? Mais yang tiet kum som bon tiet tam provatessa mun men tiet leuk dam bong del ne chne ti krong ne chne son kriem ti lia pa tiet chun. Kel nas kel na siem yo Phnom Penh no yo encore del trom yen pa hel roap sen ne ke kia pa tiet chun teng an. Tushrok Siem, Nutchnam, Mapuan, Beiroy, Hasepi. Ne pile pour Tyson. Pour Tyson, tu es Krom Anam. Nutchnam, Mapuan, Pelroy, Paitpi. L'Oxasei, son bon moment. Yo, tu es Krom Udom, Udom. François Ponso, son look. Son rôle à Ram, hay, snap, son nom, hay, ban, hay, son look, fly top, the nung crop can. Chạm mạch từ nâng sầm nua đại sứ ban hơi chỉ viên lục thạch đi bay về vụ hợp vật sa đo cầm rắn đại lục ban miền tây sa ban miền núi mình chỉ cầm một thụ này ca trong ban đã bỏ ông chấm ra là bây giờ từ biển đất bị chà ná không ca cầm rắn trước đấy ni ti ông chấm ra từ ca tại phò tang chạm mạch là bây giờ một biển đất bị chà ná sầm rắn những nông đường trước đấy ni tại phần nọ sầm lục sầm rùa là rắm hay nâng sầm chloi top tên nâng phiệp chạm bách hay nâng cục cron tên nâng sầm núa đại súa ban hơi.
Merci. Selon l'extrait que j'ai lu de votre livre, concernant la question de la ville, est-il correct de dire que l'existence même des villes était antinomique ou incompatible avec l'idéologie Khmer Rouge? Monsieur Meng, qui a dit Tikron qui est ne samai ananikum nium barang. Tant pis samai encore hot ananikum nium barang, kmien Tikron ne pate kampuchia. Mayang tiet, Monsieur Meng, qui a dit Sekedei de Kamapibal, Kmaikaham, Praknyam, Mundankia Kumnut en Kap, Mundankia Kumnut, Kmaikaham, Mene, Kamapibal de Kyom Tuop, Ne Mouk, Santekia Pnum, Ne Tnai Daprambei, Mapuan Pam Mesa, Tna Mapuan Pambun Roytetse Pram, Tikron Akra, pour ne Tikron Mien Pukrolui. Met mon hoop bij de kloon van dam. Prasen ba met netikron te lap te schokschrei, te tschkaprei, te stungsrui, te trotsrui, kiskwal damlai da pitplakat, ruba ovei ovei, deke hoop. Merci. Est-ce que cette conception de la ville, selon vos constats, est-ce que les Khmer Rouges vous ont dit, dont ce commissaire politique, est-ce que cette conception était une manifestation de la lutte des classes? Mayang, Tromada, Bampon Khmer, Tloak Nye, Vietnam, Tiekmang, Satreur, Ruba Khmer. Pontai, Kamapibal nous, notre n'est d'apprembei, mesa, mapuan, pambuon, roi, tchetse pram. Prap knyom ta, tchen, tia kmang, satreu, ruba kmae. Pour ni, tchol, knong, ka, ta, sou, vana, tchen, kan, lui. Et knong, sarana, rook, aikodom, ki, ou son pran, lok, n'yé, en pi, pour comprador. Doi knon vitiou kmae kaham ki nye yon pi comprador. Ti tjen dael yo palita pal ou ba nesrae ma lou ay tchoun tjet barte. Ti roubiep pon yo lan pi ka ta sou vana. Est-ce que selon les Khmer Rouges, les citadins de Phnom Penh et des autres villes n'étaient pas purs, mais étaient contaminés ou influencés par le matérialisme ou la corruption? Monsieur le Maire, mon quantae kan vanna ponte cela trois tauk tie mien saveng pe aumen saat u ha ai sa mai le nol petmen ti hien poko loi ai kan cela trois ke quel coit menten tu te vink mai ka ham ti menu saat sam. Merci. J'en viens
Au 17 avril 1975, vous avez dit à propos des Khmer Rouges qui rentraient dans la ville, vous avez dit que ces Khmer Rouges semblaient au bord de l'épuisement, perdus, totalement étrangers à la liesse populaire. Ils étaient les seuls à ne pas se réjouir. Est-ce que vous êtes étonné de ce décalage complet entre la joie des habitants d'une part et puis l'attitude austère des soldats Khmer Rouges qui pourtant venaient de remporter la victoire? Mais c'est le même qui me frappe. Avec un lan, noam, quand on a tout le ticron, non peigne, pratiquez-vous op osato, ne d'aï tchol, non peigne, qui se mante à t'y a kmaï kahom, tampet men men t'y a kmaï kahom. Ne a cassette stut à t'en an. Yul Chalam en Pirouani, qui se met à Khmer Kaham Tchult Nompeng, qui est une op osato, Khmer Kaham Tchult Nompeng, tempête hot. Qui Yul Chalam, qui est une Kampuchi à Neuf Nompeng, Yul Chalam, qui se met à Khmer Kaham Tchult, tempête, qui quand toi plonol, Tchotchol, somme Tchotchol. Et messelmen comme dit madame Tiet comme dit ta kyonne chon mouk vi hier trom que ta cathédrale ti moi pour ma kyon menach mou Bernard Berger ne pel nou yon king kmai ka ham ti toi toi do ti akom lang kmeng pe kapet tien akom lang ki mun sait ai kyon messelmen kyon prata ti moi ponan yon Mukti a mon sait. Merci. Hier, vous avez décrit ce que les soldats Khmer Rouge ont annoncé à la population pour qu'ils évacuent la ville. Je voudrais reprendre les termes que vous aviez employés dans votre livre, à la page 17 en français, page 7 en anglais, et en Khmer 00 8 6 2 2 9 1 00 8 6 2 2 9 1. Je cite, déjà depuis le matin, les petits hommes en noir s'étaient présentés dans les maisons du quartier. Il faut partir vite, les Américains vont bombarder la ville. Partez à une vingtaine de kilomètres, n'emportez pas grand-chose. Pas la peine de fermer à clé, nous veillerons surtout jusqu'à votre tour. Vous reviendrez dans 2 ou 3 jours quand nous aurons nettoyé la ville. Fin de citation. Hier, comme vous avez dit la même chose avec d'autres mots, tout d'abord, est-ce qu'en même temps qu'ils annonçaient que les gens devaient quitter la ville, est-ce que les Khmer Rouges ont pris soin de rappeler aux habitants d'emporter assez de vivres, d'eau, de médicaments ou du matériel de couchage? Merci. Est-ce que les Khmer Rouges ont dit à la population si une assistance leur serait donnée en cours de route, moyen de transport, des points où ils pourraient se ravitailler, etc.?
Dans l'extrait que je viens de lire, monsieur le témoin, il y a deux motifs différents que vous avez mentionnés, qui étaient avancés par les Khmer Rouges pour évacuer la ville. Il y avait le bombardement imminent par les Américains. Et d'autre part, vous avez dit, enfin, un Khmer Rouge a dit, quand nous aurons nettoyé la ville, vous pourrez rentrer. Hier matin, vous avez également dit que le camarade Nîmes, au moment où vous avez quitté l'ambassade de France, vous avez dit que vous seriez accueilli chaleureusement plus tard, une fois que le pays aurait été nettoyé. Ce sont les mêmes termes qui sont utilisés, le nettoyage de la ville du pays. Qu'avez-vous compris de ces termes au moment où vous les avez entendus dans la bouche des Khmer Rouges? Je ne sais pas si vous avez compris de ces termes, mais vous avez compris de ces termes, et vous avez compris de ces termes. Pour nous, nous sommes tous les termes, nous sommes tous les termes, nous sommes tous les termes, nous sommes tous les termes. Est-ce que vous avez interrogé, recueilli des témoignages de réfugiés qui sont en Thaïlande, à Paris, des gens qui vous ont écrit du Vietnam, concernant justement cette recherche des anciens fonctionnaires, des militaires de l'ancien régime? Ces réfugiés vous ont fait état d'exécution à propos de ces personnes. Et pour le niet qui est pas mal net en nous, nous avons un riche chouan kpo et qui semble knongbun. Comme donc, tant que pitraï, mo pei pi, qui aime ça. Je te prends. Et croyez-moi que mien n'est pas de mien, qui est chouan, que non, c'est pas unique, que mien en pi, Battambang qui semble à ne pas t'y pader. Tiens, Bayroyne. Mais mes soldats, ni yoti hien. Merci. Je vais revenir sur ces événements tout à l'heure. Pour le moment, je vais simplement continuer avec l'évacuation proprement dite. Vous avez dit hier ne pas avoir vu vous-même de brutalité particulière, de violence physique au moment de l'évacuation. Vous avez parlé cependant de pression psychologique, etc. Et vous avez tout de même dit, premièrement, que les évacués qui avançaient sur la route
Selon ce que vous avez vu, n'était pas bien traité, que cela dépassait l'imagination et que les Khmers rouges étaient brutaux vis-à-vis des évacués. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y avait cette brutalité ou ces mauvais traitements? Comment est-ce que cela se manifestait-il? Et d'où avez-vous vu cela? Est-ce que c'était quand vous étiez encore aux alentours de l'hôtel Le Phnom ou bien déjà à l'ambassade de France? Khyom tu chi mon cham cham nam ta khyom jey ta khmai ka hom tsue bap pa chi chun na pe nu pa chi chun dai cheng pip non pen klait men ten po ke a dang ta na ke a dang ta na ai ke pay khmai ka hom tsue bap pon tai khyom toal ke ma keng pa chi chun tsue bap comment est-ce qu'on peut faire pour les gens? Non! Comment est-ce qu'on peut faire pour les gens? 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 Est-ce que lorsque la population quittait la ville, elle était encadrée par des Khmers rouges? Khyom mon cham chum nam khmer yo tia khmer ka hom om pa chi chun mien klakla pon te ki mon om tien son kang. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez répéter la fin de votre phrase? You madong mien yo tiak mai ka ham del ne tam ne am son khang pa chi chun pom tai men men yem pa chi chun. Vous avez dit dans votre livre à la page 18 en français, page 7 en anglais, 008-6-22-9-1 en khmer, je cite, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de brutalité dans ces premiers départs. Quelques coups de feu en l'air suffisaient à décider des habitants. Les hésitants. Traumatisés par les bombardements de la nuit, soulagés par pour se concilier la bienveillance des vainqueurs. Fin de citation. Est-ce que les quelques coups de feu en l'air ne constituaient pas, dans ce contexte-là, une menace physique concernant les personnes qui hésitaient à partir? Bad. Qui est qu'à comme haine, comme rime, qui est là, amen. On t'a dit qu'il y a une bagne pour qu'il y ait une bagne tam kyom keun. Hier, vous avez aussi mentionné que les blessés et les malades qui refuseraient de quitter les hôpitaux seraient tués, que des grenades étaient parfois jetées pour pousser les récalcitrants à partir. Est-ce que, par exemple, vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec du personnel médical étranger réfugié à l'ambassade de France ou cambodgien à l'époque? Khyom
khom ban lu kin ye khom at khoeng ptoan nang pnek mien lok umnal ki e koupet ne perket melia kwat ban sase sio pau medecin chez les Khmer Rouges kwat prap khom echang mien lok saran ki moi khom tve ka sapngai ki moi kwat ban prap khom echang papnang Merci. Hier, vous avez dit qu'une personne handicapée qui avait dû quitter un hôpital, vous avez demandé de l'accueillir, mais que vous aviez dû refuser votre aide. Est-ce que vous pourriez préciser pourquoi il n'était pas possible de l'aider à ce moment-là? Est-ce que ce sont les Khmer Rouges qui vous ont empêché de venir en aide à cette personne? Tochne kem ta pasen ba bon ne ti mo yeung yeung kontai kmai ko ham sam lap e bon ein tre ke sam lap dai Merci. Toujours concernant les malades et les blessés qui avaient dû quitter les hôpitaux, quand vous les avez vus passer je crois que c'était le long du boulevard Monivong. Quelles étaient, selon vous, les conséquences prévisibles de cette évacuation dans la chaleur du mois d'avril, sans assistance pour ces patients, pour les blessés les plus faibles, sur base de leur état physique? Est-ce que, comme vous, n'importe quel autre observateur raisonnable voyant partir ces blessés, handicapés, malades, d'autres personnes vulnérables, et donc quitter la ville, est-ce que n'importe quelle autre personne raisonnable aurait pu constater le risque élevé de mort de ces personnes? Je vous remercie. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, Councillor. I have to object to this question. We are asking questions to a witness, as we have established yesterday. And this witness couldn't possibly know what any reasonable sort of thing think. But more consciousness, he's not an expert. He might have thoughts which could be interesting, but which are legally not interesting to this chair. So please, I would like to ask the question to ask questions. This witness has a question. Monsieur le Président, si je peux répondre, hier vous avez pris une décision qui consistait à dire que ce genre de situation serait décidée au cas par cas. Je pense que le témoin nous a dit qu'il a pu observer que c'était une évidence que tôt ou tard, ces personnes pourraient mourir. Nous ne demandons pas grand-chose, c'est simplement confirmer si c'était une opinion qui était partagé par d'autres personnes ou par n'importe quelle autre personne qui aurait fait cette seule aurait pu tirer cette conclusion. Je vous remercie.
មូលហេតុមូលដ្ឋានសំត្រកស្ដីជំទាស់មានប្រសិទ្ធភាពសាក់សីមិនបាច់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរចុងក្រោយដោយតំណាងសាភិញ្ញានេះទេ Merci, Monsieur le témoin. Dans votre livre, vous avez cité le témoignage d'un dénommé Suon Pal, qui a 19 ans, qui était réfugié en Thaïlande le 4 mai 1976. Et cette personne a dit, ça se trouve aux pages 36 à 37 de votre livre, en français, page 25 en anglais et en khmer, 00-86-2314-00-86-2314-15. Et voilà ce que vous citez. Ma famille et moi sommes sortis de Phnom Penh en prenant la direction de Breckner. Beaucoup de gens sont morts dans cette marche, les malades chassés des hôpitaux, les femmes qui accouchaient sur la route, les blessés de guerre. Et plus loin, le long du chemin, nous avons vu de nombreux cadavres éparpillés un peu partout, même dans les pagodes, répandant une puanteur à peine supportable. Fin de citation. Alors, je sais que vous-même, vous n'avez pas vu de cadavres, mais est-ce que ce témoignage que vous avez recueilli reflète ce que d'autres réfugiés ont pu dire de l'évacuation de Phnom Penh concernant ce groupe? Merci. En tant qu'intellectuel, vous êtes vous demandé le 17 avril 1975 pourquoi, d'un côté, les Khmers rouges demandaient à la population d'évacuer la ville sous le prétexte de la ville. En tout cas, face à l'imminence des bombardements américains, selon eux, et que dans le même temps, ils forçaient les blessés, les malades des hôpitaux à quitter la ville. Et comme vous l'avez dit, vous avez constaté vous-même que tôt ou tard, la mort pourrait s'en suivre. Avez-vous compris ce paradoxe entre ce que les Khmers rouges disaient comme justification pour l'évacuation de la ville et leurs agissements de l'autre part? Monsieur le Président, le pays dans le Américain tourné à Québec rue Bossom Atikron, au veille d'être feu à Kyom Yuel, en pis col bon nom Kmaikahom, que Kamapibal d'Aiprap Kniom, ta Pasenba, Pratietun, Kamput, Natikron, ta Vielsrae, Damsreu, Chkaprei, Stungsreu, Chosreu, Kedung, Damlai, da Pet pakat rubavei veitang a kmaet roi dung ta kluen kaut pi kroaps rau. Nit je sekedei dait feu ai kum juol, juol, klakla. Merci avant de revenir sur cette question. Un dernier point concernant l'évacuation. Vous avez écrit dans votre livre, à la page 21 en français, 11 en anglais, et en khmer 00-86-22-96-00-86-2-296.
à propos du 18 avril 1975, ទេគេមិនខ្មាក់យោធាមិនកំរាមកំរៀមប៉ុន្តែមានដូចជាគេគៀបសង្កត់តាមចិត្តគំនិតយើងជំទាស់មិនកើតដូចមិនសិនមែនខ្ញុំនិយាយថាយោធាគ្រាន់តែមើលយើងដូចជាបាញ់យើងតែតាមផ្នែក ដូច្នេះយើងអត់មានសមត្ថភាពធ្វើប្លែកពីសេចក្តីដែលគេនិយាយយើងភ័យខ្លាចខ្ញុំខ្លាចថាចាប់ប្រធានកាលាវៀតកុងចាប់ខ្ញុំម្ដងនៅឆ្នាំ70នៅថ្ងៃបួនឧសភា70ខ្មែរក្រហមយៀតកុង ham knyom komai nie sekedai dai kyom kyom ham knyom komai nie ta kyom kyom yet kong kyom pay menten ai o bechnam kyom hien ye sek kyom hien ye ta viet kong chap knyom pu kyom ke tfu ai kyom pay. Merci, Monsieur le Président. Vous avez semblé dire hier que vous-même, vous aviez cru en la possibilité de bombardement américain. Tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais vous avez dit également tout à l'heure que ces bombardements avaient cessé en août 1973. À propos de cela, est-ce que vous avez demandé au Pérou, lorsque vous étiez à l'ambassade de France, ou bien ce que François Bizeau a demandé au Pérou, pourquoi les étrangers étaient-ils regroupés en pleine ville de Phnom Penh dans cette ambassade, et non pas emmenés en dehors de la ville, si vraiment des bombardements américains étaient-ils? ในการทำแหลกกรอบใบนั้นนั่งจิตทำแหลกชับๆข้างมงคลหายหายได้ก็ประมูลดมในสารทุกประการอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณเชื่อท่าอเมริกันทำแหลกกรอบใบปนแต่ประชาชนไอเชื่อบ้านพวกที่จำพิชนามกันลังมาอเมริกันทำแหลกกรอบใบในประเทศ30-40 กิโลนัวไม่กี่เพย Merci. Hier, vous avez évoqué deux raisons qui avaient été avancées par la suite par l'ex-Paris concernant l'évacuation de la ville de Phnom Penh. Et il s'agit de raisons que vous avez détaillées dans votre livre, notamment à la page 30 et 31 en français, page 19 et 20 en anglais, et en clair, page 00-8-23-06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 -
Bạn lục bạn lực lang thà lục anh sử dụng bạn bắt đầu mua lại hết pì tìm mũi cái tháp nhà hát tiệc rong hay thì nhà hát tiệc cái tháp nhà hát san thì sọc. Alors on remarque que dans cette interview avec James Springer, qui date du 4 septembre Concernant la perspective de famine, votre argument avancé par Yang Sari, dans votre livre, vous avez distingué deux situations pour contredire cet argument. Et vous avez dit que, concernant la population paysanne, Phnom Penh abritait à peu près 1,5 million de paysans qui avaient fui les combats, qu'ils étaient affamés, qu'ils vivaient dans la terreur d'être mobilisés, et que tous avaient hâte de retrouver leur terre, sans qu'ils fussent besoin de les forcer à partir. Et deuxièmement, vous avez parlé de la population pnompénoise, et là vous avez dit que les stocks de riz accumulés dans la capitale durant les dernières semaines ហើយនៅក្នុងសោមនេះក៏បានបង្ហាញថាអ្វីដែលលោកអេសរីបានលើកឡើងថាតើប្រភពព័ត៌មានដែលលោកទទួលបាននេះមកពីណាដែរនោះរៀបលាភពលាសសម្ព័ន្ធមួយមកពីណាដែរហើយដូចនិយាយថាប្រហែលជាអាចឲ្យប្រជាជនរស់បានហើយពីខែហើយនៅកំពង់សោមនោះមានការខូចខាតស្តុកស្រូវច្រើនដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន que meulk non cassette mouei mendung ta grun kru kanaim sing ponte que me cham chba ampi patia chun pnom peng tia ka pansman baknyom opama ta kan katolik yung yung chuei chun pia kluan roap Senne. A yung bantuk encore tietran somrap chenchemke pahel makhae ru pikae. Yung bantuk klaklap ou yung pei ta
Merci. Dans son interview avec James Pringle, Yang Seri ban nijay tha khnyom da srang yeung trou tae pdal hat apichun teung nos nu ta da rasa aikriyapheap hai nang kapyo robos yeung doy mon som chumnuoy tae prateh na teang os ba som banchap ka da srang. Est-ce que sortir de la guerre et donc juste après la libération de Phnom Penh, nous avons dit que Je vais passer à un autre sujet, Monsieur le Président. Dans la même interview à James Pringle, donc au document l'interview date de septembre 2017. Lorsque Yang Sari dit le 4 septembre 2017, Vous avez dit dans votre livre que de l'ambassade de France, vous avez vu un certain nombre de gens qui ont été en train de se faire.
Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez rencontré l'une de ces personnes qui appartenait à Phnom Penh? Que me chame chba ta kem ban keng lan noam pa chi chun chot nong ping, que me chame chba. Kapon tai, chum chame ta mien srei srei pa hel ma krom dop ne. Tia pa pon, pa pon ti hien, me ti hien, ai tia katholik. Po ne knong chum nam katholik, mien yo ti hien tia chran. Merci. Dans votre livre, vous parlez d'une rencontre spécifique avec Madame Oum Samet, qui vous a dit que le docteur Khmer rouge avait demandé l'homme est dans le travail, il y a un travail qui est fait. Absolument, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous venez de dire qu'il s'agissait de mensonges et que vous étiez tué ces officiels qui en avaient promis de revenir organiser le pays. Dans votre livre, vous avez cité quatre témoignages différents. Vous avez déjà parlé de celui qui parle de la situation à King's Way. Pour les besoins de la transcription, il s'agit du témoignage de Mam Savoun, capitaine dans l'armée de Lon Nol. Mam Savoun, qui était réfugié au camp de Kap Chung en Thaïlande. Le 15 février, 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 le 15 février
26 à 28 en anglais, 0 0 8 6 2 3 1 6 jusque dal mui pram bay. Vous avez dit dans votre livre également la page 40 en français, 23 26 2 3 2 0. Plusieurs dizaines d'autres témoignages concordant que les premières mesures qui suivraient. En venir à la situation à Battambang, peut-être pourriez-vous nous expliquer que vous avez rencontré ou que vous avez recueilli les témoignages à différents endroits, à des moments différents. Pourquoi tant de fuites et des soucis de Battambang. Vitielai net yang ne batambang, we hai ket feu dom na tam lan, ho pahel dapram kilo, ke bat na opre, we hai te dal pnum tipade, pel nou mien kmaik ham cham, ke som ai
Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement et aussi concisement que vous l'avez fait pour les officiers, ce qui est arrivé aux sous-officiers de Battambang à Smartcore? Excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Je me sens un petit peu dans l'obligation de rappeler à mon confrère pour l'accusation que quand il donne ses explications, M. le témoin ne parle pas de ce qu'il a vu personnellement. Avaient été interrogés, et si vous lisez le livre, vous verrez qu'il s'agit de gens qui étaient eux-mêmes des officiers qui ont survécu
ban chu sa sai nung tang o hai sa sai tang o nung sa ta ban ban chu ban khoeng ka kat samlap bang kiel ni ont confirmé les mêmes faits, les mêmes cadavres sur place. C'est aussi pour cela que je suis étonné d'entendre l'avocat de la défense de Mujia parler de double oui-dire, alors que ce qui a été mentionné ici, c'est simplement que des gens ont vu directement, ce sont des témoins oculaires qui ont rapporté cela aux témoins. Donc il n'est pas question ici de double oui-dire. Ceci dit, M. le Président, je vais faire attention de mentionner dans chaque question qu'effectivement il s'agit de témoignages qui ont été recueillis par monsieur le témoin Bonchou. Donc ma question est de savoir ce que les témoins que vous avez recueillis, les témoignages, ont pu vous dire concernant les sous-officiers de Baden-Bagne et ce qui leur était arrivé à Baden-Bagne le long de la route nationale numéro 5. Merci. Merci. Je n'aurai pas le temps de revenir sur ce qui s'est passé à Pailin selon les témoignages concordants des témoins de sa figure dans votre livre. Mais je voudrais revenir sur un témoignage que vous avez fait état concernant le Khmer qui avait été livré au Khmer Rouge. J'ai un petit doute concernant le Khmer, c'est de savoir si c'est le passage qui fait référence à la version Khmer ou non. Mais voilà ce que dit un pharmacien Khmer qui faisait partie du groupe qui est sorti de la massacre, qui a pu s'enfuir par la suite au Vietnam en juin 1975. Il dit ce qui s'est passé à la sortie de l'ambassade. Je cite. Nous avons été emmenés au stade Lambert. យើងត្រូវបានគេនាំទៅស្ដាតឡំបែគឺស្ដាតចាស់គឺថាតែមានចម្ងាយ200ម៉ែត្រពីស្ថានទូតបារាំងហើយនោះខ្មែរក្រហមបានចាប់ដើមបែងចែកពួកយើងហើយគេឲ្យយើងបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណយើងពិតប្រាកដហើយនឹងចោះឈ្មោះយើងនៅក្នុងបញ្ជីមួយក្នុងចំណោមជំនីបញ្ជីទាំង3គឺថាមានយោធារដ្ឋការអ្នករដ្ឋការហើយនឹងប្រជាជន ហើយបន្តមកទៀតទាហានដូចជាលោកមេបញ្ជាការតាន់ជាលោកសាក់5 4 សួរហើយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវបានគេដឹកឡានធំចេញទៅហើយឆ្ងាយយើងនៅមកទីនៅព្រឹកឡើងខ្មែរក្រហមបានត្រឡប់មកវិញហើយបានហៅមនុស្សមួយចំនួនតាមបញ្ជីដែលខ្លួនបានធ្វើ ហើយនាំពួកទាំងអស់នោះចេញទៅបន្តមកទៀតគេប្រាប់ឲ្យយើងទៅទិសខាងជើងដើម្បីកសាងប្រទេសបាទត្រង់នេះយើងឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់នេះឬក៏ជាមួយចំនួនបាទតំបងនៅប៉ៃលិនគេនិយាយសេប៉ារ៉ាសិនកំពង់ចាមគឺថាតែងតែមានការបែងចែកនៅកំពង់ចាមគឺថាតែងតែមានការបែងចែក
ប្រជាជនជាបីក្រុមថាយោធានៅរដ្ឋការហើយនឹងប្រជាជនសាមញ្ញ Au tapibal américain. Comme Sdap Sekreini, Tam Vichu, Kampuchia, Pachieti Patay. Domnakal Timouei, Kupa Devoit, Pachietiet. Merci. Dans votre livre, vous avez dit que des slogans passés à la radio, ainsi que dans les meetings, juste des slogans Khmer Rouge justifiaient l'épuration des forces, des anciennes forces et officielles de la République Khmer. Est-ce que vous vous souvenez de certains de ces slogans? Il était habituel de l'entendre à la radio. Tuk kamen chumneng, da cheng kamen khat. Samlap chalom, kum leng chalom. Que de mettre un innocent. Taïte Yuel Ampi va pas trois chemins. Va pas trois chemins que Tampouts la Sna, Menou, Toukan, Anichang, Anatang. Kmien Pratien, Yun Tangoknir, Kmien Pratien, Ne Champo Mouknyam, Mien Ponman Roup, Mien Bampon Kmai, Ponman Roup, Yun Kwantetji Roup. Et Nihai, Samlap Ke, Mien atanei pseng, pi yung tia chun barte. Okun ne, lo. Sa say, okun damna sa pinya, eleni dapil samra hai, anbe pekah samra mpain niti, cha pepe ni sute lho damong dam mui, kwa dam niti, so mjeng jol wing, namai bento ke jamna ka samna ka, mtai ratu batala ka, tanom gul pral kalai samra, នៅបន្ទប់រងចាំនិមិត្តសាក់សៃនឹងអ្នកជំនាញដល់សាក់សៃនៅក្នុងឡុងពេលជប់សម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 11:00 ដល់នាទីសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ